Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se mettre en cuisine et on va faire des mini chaussons à la sardine. Alors, je vais vous dire ce qu'il vous faudra pour faire ces mini chaussons. Alors, ce qu'il vous faudra, ça sera une pâte feuilletée, qu'elle soit carrée ou ronde, puisque on va faire des emporte-pièces dedans avec un verre. Ensuite, il vous faudra une boîte de sardines. Alors, si vous n'avez pas de sardines, moi j'ai pris cela, c'était des filets de sardines naturels. Donc, j'aurais besoin d'huile d'olive pour faire une sorte de marinade, on pourrait dire comme ça. Si vous avez votre boîte de sardines qui est déjà avec l'huile d'olive, c'est parfait, hein. Vous n'aurez pas besoin de rajouter de l'huile en plus. Et puis, c'est tout ce qu'il nous faut en fait, pas grand-chose. Alors, je vais prendre de l'huile d'olive. Étant donné que ma boîte de sardines n'avait pas d'huile, je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Comme ceci. Je te donne la cuillère. Ensuite, je vais écraser ma sardine avec la fourchette. Alors, quand on a bien écrasé notre sardine à la fourchette, qui reste à peu près pas de très gros morceaux, on met ça de côté et on va prendre notre pâte feuilletée. Comme ça. Ensuite, on va prendre le gros verre. Alors, c'est un verre assez gros, hein, pour l'emporte-pièce. Donc, on va remplir notre emporte-pièce. Mais en plus. On rabat. Et on écrase un petit peu à la fourchette. Voilà. Ma pâte elle colle un peu. Voilà. Et on va les remplir comme ça. Alors, la première tournée de petits chaussons à la sardine, ça va être à 200 degrés pendant une 20 minutes. 20 minutes, voilà, à surveiller quand même, hein. Alors, je viens de sortir les chaussons de sardine du four. Ben, ils sont comme ça. Alors, bon, ben, même si c'est pas trop bien soudé, quand c'est une première, après, on s'améliore au fil du temps, hein. En tout cas, ça m'a l'air très délicieux. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo cuisine vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager entre amis et en famille.
Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et gros bisous à vous tous.